Shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous de notre côté, tout va bien. Par la grâce du Seigneur, ça va, on se porte bien. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce pour ces temps, pour ces moments. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, prends le plein contrôle, Seigneur, de toutes choses. Nous te bénissons encore et te rendons grâce. Amen. Aujourd'hui, je parlerai d'un sujet pour tirer la sonnette d'alarme, pour interpeller tout un chacun, pour interpeller tout le monde. Je vais parler de la situation que vivent beaucoup d'albinos, beaucoup de personnes atteintes d'albinisme à travers le monde. Vous savez, en tant que chrétiens, nous tous, voilà, nous sommes appelés à être des voix pour les sans-voix. Nous devons être des voix pour les sans-voix. Et si comme la majorité de personnes, hein, beaucoup de personnes, vous ignorez tout du drame que vivent encore les enfants albinos d'Afrique, les enfants albinos, en tout cas les personnes atteintes d'albinisme un peu partout dans le monde. Beaucoup de personnes ignorent un peu tout ce que vivent ces personnes. Donc cette vidéo est faite vraiment pour nous interpeller, pour que nous pensions vraiment à ces personnes atteintes d'albinisme qui vivent des persécutions, qui vivent des souffrances, qui vivent des discriminations. Nous devons aller vers eux, nous devons leur apporter aussi l'évangile, hein, l'évangile de la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour que le Seigneur a pour eux. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces associations, ces fondations, ces ONG qui luttent voilà, contre vraiment la discrimination envers les personnes atteintes d'albinisme, la discrimination envers toutes ces personnes qui luttent vraiment contre tous ces meurtres, ces assassinats envers les personnes atteintes d'albinisme. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester insensibles, indifférents face à voilà, ce fléau. Et il faut savoir aussi que en Afrique subsaharienne, en Asie et un peu partout dans le monde, les personnes atteintes d'albinisme ont été et sont toujours persécutées. Ils sont tués, ils sont même démembrés. Ils sont régulièrement évincés de la société et ils sont victimes d'homicides. Leurs tombes sont profanées. Et les guérisseurs, qui sont inspirés bien sûr par Satan, ils propagent des superstitions selon lesquelles certaines parties du corps des personnes atteintes d'albinisme auraient des pouvoirs magiques. Et selon aussi ces croyances sataniques, ils disent que lorsque les parties du corps des personnes albinos sont utilisées dans leurs rituels, la magie libérée apporte la prospérité aux praticiens.
Et il y a certaines personnes qui rejettent et persécutent les albinos, estimant qu'ils sont maudits et apportent la malchance. Certains, inspirés par Satan, disent que l'albinisme est une punition du Créateur, est une punition du Seigneur. Et donc, dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie aussi, en tout cas dans la plupart des continents, on traite les personnes atteintes d'albinisme sont traitées de sorciers, ils sont traités de génies, ils sont traités d'êtres surnaturels. En Afrique australe et orientale, par exemple, des hommes politiques, des hommes d'affaires, voire même parfois certaines églises, des fausses églises bien sûr, pensent que l'exécution d'albinos ou l'utilisation dans des rituels magiques de leurs cheveux et ongles peuvent accroître leur aura politique ou sociale. Donc vous voyez, les personnes atteintes d'albinisme sont vraiment en danger de mort. Beaucoup d'albinos, notamment en Afrique australe, en Afrique subsaharienne, ils vivent dans la peur au quotidien. Ils sont persécutés dans beaucoup de pays et leur insertion socio-professionnelle pose encore problème. Et il faut savoir aussi qu'en Tanzanie, par exemple, naître albinos peut être synonyme de condamnation à mort. Et selon les statistiques, depuis 2006, 71 personnes albinos y ont été tuées. 29 autres ont été attaquées. Aujourd'hui, un bébé sur 1400 naît albinos en Tanzanie. Et pour beaucoup de Tanzaniens, les albinos sont des fantômes ou le signe d'une malédiction. Vous voyez comment, vous voyez les œuvres du diable, vous voyez les œuvres de Satan. Vous voyez pourquoi la Bible dit que Satan était meurtrier. Satan, son objectif, c'est d'égorger, de détruire. Il est venu pour perdre les hommes. Il est venu pour mettre dans le cœur des hommes des telles pensées, des telles choses abominables. Vous voyez comment Satan tient les hommes captifs par ce genre de pensées. Alors que les albinos, ce sont des êtres humains comme nous qui ont besoin aussi d'amour, qui ont besoin d'être aimés, qui sont des êtres humains qui sont créés à l'image du Créateur. Ce sont des personnes comme nous. Le Seigneur a payé un grand prix pour aussi des personnes atteintes d'albinisme. Il les aime, il a versé son sang à la croix afin qu'ils reçoivent aussi le pardon de leurs péchés s'ils acceptent le message de la croix. Et dans ces pays d'Afrique subsaharienne, ces pays d'Afrique australe et en Asie aussi, le corps des albinos est prisé pour des sacrifices démoniaques, pour des personnes en mal de richesse. Vous avez là une histoire récente qui date du 2 février, c'est passé sur RFI, où au Burundi, il est dit qu'un enfant albinos de 4 ans a été enlevé et assassiné. Les deux hommes ont été arrêtés. Donc vous voyez, au Burundi, la communauté des albinos, forte de quelques 1240 personnes, est endeuillée après un énième kidnapping suivi de meurtre. Cette fois, c'est un enfant de 4 ans, à peine, qui a été enlevé samedi à Bujumbura, la principale ville du pays, et retrouvé démembré et en partie désossé mardi dans le nord-est du pays. De quoi jeter l'effroi les membres de ce groupe qui se disent menacés et en danger de mort. Vous voyez, frères et sœurs, en danger de mort. Dans certains pays comme le Malawi, les albinos sont menacés de disparition carrément. Ils sont menacés de disparition par la sorcellerie. Et l'ONU, justement, qui a conduit une mission sur le sujet, tire la sonnette d'alarme. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme parce qu'il y a des pays où les albinos sont en voie de disparition. Et selon les Nations Unies, un bras d'un albinos pouvait atteindre le prix de 2 000 $ en 2016 au Malawi et un corps entier 75 000 $. Et dans certains pays, les tombes des albinos doivent être bétonnées pour protéger les corps. Et les enfants à risque sont placés dans des centres protégés. Donc vous voyez comment on marchande même le corps des personnes atteintes d'albinos dans certains pays. On marchande leur corps. Leurs corps sont vendus, ils sont maintenant comme du bétail, comme des animaux. Oh Seigneur, 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 ta grâce. Et cette pratique a décimé encore plus de vies en raison du nombre de décès qui ne sont pas signalés. Il y a certains gouvernements de plusieurs pays qui ont intensifié leurs efforts pour réprimer cette pratique. En Afrique orientale, des hommes politiques, des hommes d'affaires et voire même certaines fausses églises pensent que l'exécution d'albinos ou l'utilisation dans des rituels magiques de leurs cheveux et ongles peuvent accroître leur aura politique ou sociale. Mais c'est un mensonge du diable. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 21. « Car Yahweh sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. »
le Seigneur va juger toutes ces personnes qui versent du sang innocent. Vous savez, dans Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible nous dit qu'il y a six choses qu'Élohim hait, et il y en a sept qui sont en abomination à son âme. Il dit les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui complote des projets méchants, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Vous voyez, la Bible nous dit que le Créateur, il hait les mains qui répandent le sang innocent. Le Créateur déteste les mains qui répandent le sang innocent. Mais il aime le pécheur repentant, quoi qu'il ait fait. Des mains qui versent le sang innocent sont une des choses les plus détestables aux yeux du Seigneur depuis que le sang du juste Abel a crié du sol. Il y a même dans certains pays où on leur dit que les mèches de cheveux d'un albinos accrochées à un filet de pêche apportent plus de chances d'attraper des poissons ou plus de chances de réussir à l'élève qui le noue à son stylo. Donc face à tout ce fléau, face à toutes ces persécutions que subissent les personnes atteintes d'albinisme, en 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme pour faire connaître et améliorer le sort des personnes atteintes dans le monde, surtout et principalement en Afrique. Tout simplement parce que ces personnes sont victimes de préjugés, ils sont victimes de brimades, ils sont victimes d'agressions. Les personnes albinos vivent en insécurité dans beaucoup de pays et ces préjugés qui font mal les poussent à l'isolement, beaucoup sont isolés. Être albinos n'est pas une malédiction. Ce n'est pas parce que tu es albinos que tu es maudit. L'albinisme n'est qu'une anomalie ainsi qu'une mutation génétique héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Certains n'ont plus d'espoir, certains se sentent abandonnés, rejetés. Certains se sentent discriminés, certains... Voilà, il y en a qui se suicident. Nous devons penser à eux dans nos prières, nous devons aller vers eux, nous devons... leur parler de l'évangile, nous devons leur présenter l'amour que le Seigneur a pour eux. Nous devons leur dire que Jésus-Christ a ce pouvoir de changer de vie. Nous devons leur dire que Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, a le pouvoir de les transformer, a le pouvoir de changer leur vie, a le pouvoir de leur donner un avenir et de l'espérance. Vraiment, ce monde va à la dérive. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a eu le déluge. La Bible dit que la terre était corrompue devant le Créateur, corrompue devant Yahweh. La terre était corrompue, la terre était pleine de violence, la terre était pleine de meurtres, le sang innocent était répandu, pleine de meurtres, la terre était corrompue. La Bible dit que la terre était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc si le Seigneur vous met à cœur de créer des associations ou des ONG vraiment pour aider ces personnes-là, pour aider les albinos, pour lutter contre la discrimination de toutes ces personnes-là, il faut le faire. Si le Seigneur vous met à cœur quelque chose dans ce sens, vraiment il faut le faire parce que c'est des personnes atteintes d'albinisme. Dans beaucoup de pays souffrent, beaucoup meurent, beaucoup sont tués, beaucoup vivent dans la peur, beaucoup se sentent vraiment en danger de mort parce qu'il y a des pays où on appelle les albinos argent, on les appelle argent. Donc vous voyez comment Satan est vraiment méchant, Satan veut détruire ces personnes. Donc en tant que chrétiens, nous devons aussi nous mobiliser pour les aider. Il y a même des albinos qui sont parfois malades, dont certains médecins dans des pays ne veulent pas soigner. Ils préfèrent les laisser mourir parce que selon certaines croyances, soigner un albinos est synonyme de malchance. Donc vous voyez comment toutes ces personnes sont rejetées. Donc nous devons vraiment manifester de l'amour envers ces personnes. Nous devons aller vers eux. Nous devons que ça soit créer des associations, des ONG pour les aider, pour les soutenir, tout ça, parce que voilà, beaucoup vivent, passent par des temps, des moments difficiles. Et vous savez, le psaume 82, verset 3, la Bible nous dit « Défendez le faible et l'orphelin, rendez justice à l'affligé et aux pauvres, délivrez celui qu'on maltraite et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. » Donc le Seigneur a un regard aussi sur ces personnes faibles, ces personnes qui sont maltraitées, ces personnes qui sont persécutées, ces personnes qui sont haïes. Le Seigneur a un regard vers eux, vers toutes ces personnes faibles, ces personnes vulnérables. Dans le psaume chapitre 12, à partir du verset 6, la Bible dit « À cause du mauvais traitement que l'on fait aux malheureux, à cause du gémissement des pauvres, « Je me lèverai maintenant, dit Yahweh, je mettrai en sûreté celui à qui l'on tend des pièges. »
La Bible dit dans le psaume 146, versets 7 à 9, concernant les opprimés, toutes ces personnes persécutées, ces personnes qui, voilà, qui souffrent, la Bible dit « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, Yahweh délivre les captifs, Yahweh ouvre les yeux des aveugles, Yahweh redresse ceux qui sont courbés. » Donc, frères et sœurs, nous devons être des voix pour les sans-voix. J'ai à cœur de vous faire suivre un documentaire réalisé par une chaîne de télévision européenne, voilà, sur la situation que vit beaucoup d'albinos en Afrique. Ce documentaire vous montre combien de fois beaucoup d'albinos sont mis à prix et ils sont traqués comme des animaux de la savane. Donc ces reporters sont allés à la rencontre des albinos de Tanzanie. Donc je vous laisse suivre ce documentaire de 26 minutes et on se dit à tout à l'heure. Je suis un homme ordinaire qui veut partager son histoire avec tout le monde. Je me souviens que quand je suis né, des membres de la communauté ont recommandé à ma mère de m'empoisonner. Si vous étiez né dans un village comme le mien, en ayant la couleur que j'ai, vous en auriez obligatoirement souffert. You have to suffer. To be born with the albinism. Naître avec le syndrome d'albinisme en Tanzanie, c'est très dur. People think, car les gens pensent que nous sommes immortels. People are being hunting us. Les gens nous chassaient. Les gens nous démembraient. Nous étions mis à l'écart à cause de notre couleur de peau. Les gens nous appelaient les Zéro Zéro, ce qui veut dire fantôme. Répétez, méridien. 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 Pourquoi les appelons-nous les méridiens ? Parfois, j'ai encore peur. Très peur. Kaboula est paralysée par l'anxiété à chaque fois qu'elle doit quitter son école, car cela lui rappelle immédiatement un événement qu'elle a vécu il y a 3 ans. J'étais en train de marcher avec ma sœur quand une voiture s'est arrêtée à côté de nous et un homme nous a fixé du regard à travers la vitre. Ensuite, 2 jours avant l'attaque, un autre homme est venu à notre maison et nous a demandé de l'eau. Mes parents lui ont donné de l'eau, puis ils ont demandé d'où il venait, mais il n'a pas répondu. Il ne ressemblait pas aux gens de la région, mais il n'a rien dit. 3 jours plus tard, 3 hommes se sont introduits chez nous. Le premier était celui qui m'avait fixé du regard dans la voiture. Le deuxième était celui qui était venu demander de l'eau. Et le troisième, je ne l'ai pas reconnu. Il était environ 9h30. Ils ont frappé à la porte, mais ma mère n'a pas ouvert. Alors, ils ont défoncé la porte et nous ont dit de ne pas crier. Ils cherchaient de l'argent et ma mère leur a proposé de prendre les bicyclettes. Ils ont rigolé. Après cela, ils s'en sont pris à moi et m'ont coupé la main. L'un d'eux a apporté de l'essence et a dit à ma mère de cautériser la blessure. L'attaque de Kaboula lui a finalement permis d'avoir un meilleur avenir que la plupart des enfants albinos africains. Après cet acte de violence, les parents de Kaboula l'ont envoyé dans un camp spécial pour les enfants albinos, où des organisations humanitaires internationales lui ont permis de fréquenter une école prestigieuse selon les standards tanzaniens. Sa scolarité dans cette école se terminera l'année prochaine. Josaphat Turner et ses collègues suivent une longue route à travers le pays depuis la plus grande ville de Tanzanie, Dar es Salaam, jusqu'au lac Victoria, une région où il y a beaucoup de communautés albinos. Turner est lui-même né là-bas. C'est un voyage difficile car je dois voyager, vous savez. À cause de la situation, il est parfois très risqué de voyager. Ils ont rencontré leur premier albinos en quête d'aide avant même de quitter la ville.
Dans la banlieue, ils ont rencontré un adolescent en train de mendier auprès des conducteurs, pris dans les embouteillages permanents de Dar es Salaam. Pourquoi es-tu ici ? Tu ne sais pas que c'est mauvais pour toi de rester au soleil si longtemps ? Beaucoup de gens souffrant d'albinisme sont pauvres et ils sont discriminés par la société. Parfois, vous pouvez les voir mendier, comme celui-ci. Les jours d'école se ressemblent pour les enfants albinos. Ils se lèvent tôt, mangent leur petit déjeuner, vont en cours, puis déjeunent et dînent. L'un des trois gardiens de l'école ferme les portes tous les soirs à 18h. Une centaine d'élèves étudient dans cet internat. Ils sont tous issus du même milieu. Ils sont tous nés dans ce qui est connu comme la région des Grands Lacs, un territoire rural au nord de la Tanzanie, près du majestueux lac Victoria. Tous sont nés avec un syndrome d'albinisme qui se caractérise par l'absence totale de mélanine, le pigment de la peau. C'est pourquoi ils ont la peau si claire et ont généralement une mauvaise vue. C'est très impressionnant pour moi. En général, ici, les gens ne parlent pas trop de ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser et je me demande encore pourquoi cela arrive. La plupart des gens qui envoient leurs enfants ici, habituellement ne reviennent pas, jamais. Même pour rendre visite à leurs enfants ou vérifier s'ils vont bien. Il y a une vieille superstition qui entoure le fait d'avoir un enfant albinos vivant au sein de votre foyer. Ils pensent que c'est une malédiction, de la malchance. Pour être honnête, beaucoup de gens pensent qu'envoyer leurs enfants dans notre école leur permettra de se débarrasser du mauvais sort. Koi ninne jumlisha sita. Sasa sikizeni. Unajua kaipataje huyu? Sikaandika 10 hapa, umeona? Hassan a 16 ans. Il est l'un des plus vieux élèves de cette école pour enfants albinos. Je m'appelle Hassan Amissi. Je viens de Kigoma. Je vis ici comme réfugié depuis 2009 car c'est le seul endroit où je peux être en sécurité. Je suis venu ici en pleine montée des persécutions contre les albinos. C'était vraiment très dangereux. Mes parents ont appris l'existence de ce centre par les médias et ont décidé de m'y envoyer. Hassan a terminé l'école primaire depuis longtemps et aurait dû quitter cet établissement scolaire. Mais l'adolescent a réussi à persuader les autorités de lui permettre de rester. Et désormais, il travaille tous les jours comme assistant d'un professeur d'école élémentaire. Hassan, qui a perdu ses parents l'an dernier, ne se faisait aucune illusion sur ce qui l'attendait au-delà des portes protectrices de l'établissement. Quand mes parents ont vu que leur bébé était albinos, ils sont tombés des nues. Ils ont demandé au docteur quel était mon problème. Ils voulaient simplement comprendre. Alors le docteur a expliqué qu'en fait, c'était normal. Ma mère m'aimait beaucoup. Quand je suis allé à l'école, je leur ai causé beaucoup de tracas. Mes camarades de classe avaient très peur de moi. Ils avaient tellement peur qu'ils n'osaient même pas me toucher. Ils disaient que s'ils me touchaient, j'allais commencer à saigner ou peut-être même disparaître complètement. La Tanzanie a un taux de population albinos élevé. Habituellement, seul un enfant sur 20 000 naît avec cette rare déficience de pigmentation. Mais en Afrique de l'Est, ce taux est 8 fois plus élevé. Le nombre total de personnes nées avec une anomalie au niveau de la mélanine est estimé entre 150 000 et 200 000. Dans les régions les plus reculées de Tanzanie, un enfant avec la peau blanche représente un stigmate pour la famille entière. De plus, en raison d'un faible niveau d'instruction, les villageois superstitieux associent les albinos à des créatures du diable. Être né en Afrique, et si vous avez une couleur de peau différente, surtout blanche, et que vous vous trouvez parmi une multitude d'autres qui sont noirs, c'est vraiment un problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'albinisme. Certains pensaient que j'étais un fantôme,
Et parfois, les gens pensent que je ne suis pas un être humain à part entière. Hey. Allez. Hey. Le début du XXIe siècle a connu une chasse à l'albinos à grande échelle. Selon les sources officielles, des dizaines de victimes à la peau blanche sont tuées chaque année. Mais les vrais chiffres sont sûrement beaucoup plus élevés. Si l'on considère que de nombreuses attaques n'ont pas été rapportées à la police ou enregistrées par celle-ci. Les agressions se déroulent toujours selon le même schéma. Donc dis-moi, comment ça s'est passé ? Il était environ 20h30, le 26 juillet 2009. Dehors, les chiens ont commencé à aboyer pendant que je mettais ma fille au lit. Puis quelqu'un a commencé à défoncer la porte. Trois hommes sont entrés et ont attrapé mon mari. Ils avaient deux machettes et une hache avec eux. Et ils m'ont dit de ne pas crier, sinon ils me tueraient. Ensuite, ils ont immédiatement commencé à découper mon mari en morceaux, comme s'ils abattaient une vache. L'un des enfants a commencé à crier alors, et l'un des hommes a ordonné de faire taire les enfants. Sinon, ils nous tueraient tous. Les voisins ont tout entendu, mais personne n'est venu à notre secours. Ils avaient trop peur. Après avoir assisté à la mort horrible de son mari, Maria a dû élever cinq enfants toute seule. Elle a quitté sa maison pour s'installer dans une hutte de terre. Il y a un an, la police l'a appelée. Une enquête criminelle a permis de retrouver les principaux suspects impliqués dans le meurtre de son mari. Maria les a tous les trois identifiés. Durant les audiences au tribunal, ils ont expliqué qu'un sorcier guérisseur local leur avait demandé de fournir différentes parties du corps d'un albinos. C'est mon lit. C'est mon lit et c'est ici que je dors. Cela fait désormais 5 ans qu'Hassan vit dans l'internat pour Africains albinos. Tout son monde se trouve à l'intérieur du centre. Toutes ses affaires rentrent facilement dans ce petit coffre en métal. Ça, c'est mon chapeau qui me sert à me protéger du soleil. Aujourd'hui, sa routine journalière a été perturbée. Dans ces boîtes, nous avons encore des vêtements. Ces vêtements seront utilisés. Comme vous le savez, de nombreux enfants sont amenés par leurs parents. Leurs parents les amènent ici, mais ils n'ont pas tout ce qu'il faut, je veux dire, en matière de vêtements. Donc nous considérons que nous devons en donner aux enfants. Les autorités locales ont été choquées par les meurtres d'albinos qui ont eu lieu dans les années 2000. Face à cette situation, le gouvernement doit mettre en place un certain nombre de camps où l'on prendra soin de ses enfants. Et ce centre est l'un des camps de ce type, avec une population de 248 enfants atteints d'albinisme. Là où l'on échoue aujourd'hui, c'est l'intégration. Si vous m'envoyez dans ce camp aujourd'hui, ce sera en fait une exclusion, car j'aimerais vivre comme les autres personnes, vivre de la même manière qu'eux dans la communauté. Mais on n'y arrive pas. Vous savez, si vous regardez les enfants albinos du camp, on ne peut pas le croire. C'est vraiment incroyable. Et pourtant, c'est une histoire vraie. Je m'appelle Josaphat Turner. Qui suis-je selon vous ? Regardez, je suis blanc et lui est noir. Mais je suis un être humain aussi, tout comme vous. Vous êtes un fantôme. Moi, un fantôme ? Oui, vous êtes un fantôme. Touche ma main. Est-ce que cela ressemble à la main d'un fantôme ? Josaphat est visiblement énervé. Il espérait que dans son propre village, les gens seraient plus tolérants et mieux informés. Mais il a vite compris que les comportements des écoliers d'aujourd'hui envers les albinos ont à peine changé depuis les préjugés superstitieux auxquels il a été confronté quand il était enfant. C'est l'école où j'ai grandi.
J'ai étudié ici de la première à la classe de septième. Quand je vivais ici, j'étais seul. Beaucoup d'enfants ne savaient pas vraiment ce qu'est l'albinisme. Donc parfois, je voulais jouer avec eux, mais ils s'enfuyaient. Car vous savez, on leur disait que l'albinisme est une malédiction. Albinisme, c'est un curse. C'est là que je vis, c'est mon coin. Vous voulez voir où je dors ? Une petite surface de terre de 2 mètres carrés à ciel ouvert. C'est ce que Saïd, 50 ans, appelle sa maison. Depuis 3 ans, il est forcé de vivre avec sa sœur et à la charge de celle-ci car il ne peut plus trouver de travail. Il est donc virtuellement invalide, seulement du fait de la couleur de sa peau. C'était en 2010. Je ramassais du bois sec dans la forêt quand 2 Maasai sont venus me demander si j'avais du tabac. J'en avais sur moi et quand je me suis penché pour leur donner mon tabac, ils m'ont frappé derrière la tête avec un bâton. Ils m'ont frappé 3 fois derrière la tête, puis au visage. J'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que ma main gauche avait disparu. Les agresseurs de Saïd n'ont jamais été retrouvés. La main gauche qu'on lui a coupée a sans doute été vendue sur le marché noir, où les membres d'Albinos sont très prisés des sorciers guérisseurs locaux. Les gens étaient convaincus qu'en obtenant un membre d'Albinos, ils deviendraient riches. On trouve aujourd'hui des membres d'individus atteints d'albinisme chez les sorciers guérisseurs. En Tanzanie, les sorciers guérisseurs et autres guérisseurs traditionnels jouissent d'un pouvoir et d'une autorité considérables. Ils sont consultés par la population pour toutes sortes de conseils dans la vie de tous les jours. Personne ne saura jamais lequel de ces guérisseurs a le premier suggéré qu'une potion à base d'os d'albinos pourrait guérir n'importe quelle maladie, rendre quelqu'un riche ou porter chance. Mais cette méthode s'est répandue très rapidement dans la région des Grands Lacs au XXIe siècle. Une fille vivait dans cette maison. Elle avait 2 ans quand elle est morte de la malaria. Les fossoyeurs du cimetière local ont refusé de l'enterrer car ils avaient peur d'être tenus pour responsables si quelqu'un pillait sa tombe. Donc les parents ont dû enterrer leur fille dans leur maison. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont seulement dit que cela faisait longtemps qu'ils avaient enterré leur fille et qu'ils ne me diraient pas où. La raison était que quelque temps auparavant, dans le village voisin, la tombe d'un albinos avait été profanée et le corps avait été démembré. Youssef aussi vivait dans un petit village. Pendant plusieurs années, il a vécu dans la peur permanente. Quand un adolescent albinos a été mutilé dans mon village et a eu les jambes coupées, j'ai vraiment eu peur. Pour ma sécurité, ma famille a décidé que la nuit, je devrais dormir sous le lit de mon grand-père et non dans mon propre lit. C'était horrible. J'avais toujours une machette avec moi, mais je n'ai pas vraiment eu de problème. John, fermier, est, selon les critères locaux, un homme riche et indépendant. Il a une grande maison, une famille nombreuse et un important troupeau de bovins. John a l'habitude d'être autonome et quand il a entendu les rumeurs selon lesquelles la population locale chassait les albinos, il s'est dit prêt à protéger son enfant à la peau blanche. Regardez, j'étais prêt à défendre mon enfant avec ça.
En 2007, quand Lucas était encore petit, un homme étrange a rendu visite aux voisins et leur a posé des questions sur un enfant blanc et leur a demandé où il vivait. Mais les voisins ne lui ont rien dit. Il est parti et n'est jamais revenu. J'étais tellement terrifié, tellement inquiet que j'ai pris l'habitude d'avoir toujours une lance et une machette avec moi. En plus des chasseurs de têtes et sorciers guérisseurs, les albinos font également face à un autre ennemi éternel, le soleil. À cause du manque de pigmentation, leur peau n'est pas protégée contre les rayons ultraviolets nocifs. Selon les statistiques, 85% des albinos décèdent avant d'atteindre 40 ans. La plupart mourront d'un cancer de la peau. Pour moi, la maladie a commencé il y a quelques mois. Au début, ce n'était qu'une petite tumeur, un peu comme un grain de beauté. Au départ, je l'avais à peine remarqué. Ensuite, cela a commencé à grossir très vite. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est devenu ce goitre. Je suis allé voir les médecins de Mawanza. Ils m'ont dit que ce n'était qu'une forme d'inflammation. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'ils ont finalement dit que je devais venir ici. Mais je n'avais pas d'argent pour payer le voyage. Je suis arrivé ici il y a 2 jours. Cet hôpital à Dar es Salaam est le seul établissement de tout le pays à utiliser des méthodes de soins modernes pour le traitement du cancer de la peau avec radiothérapie et chimiothérapie. Le traitement est gratuit, mais relativement peu d'albinos peuvent se payer le voyage jusqu'ici. À l'heure actuelle, on constate un nombre croissant de cas de cancer chez les albinos. Ils arrivent ici avec des cas de cancer avancés, comme vous pouvez le voir avec ce patient. Ce patient a attendu 6 mois alors que le traitement de ce cancer est très compliqué. Après le dîner, Hassan a prévu de s'aventurer en dehors du camp. Il a reçu un peu d'argent de la part de généreux visiteurs. Il veut le dépenser au marché local. Sur sa liste de commissions, un nouveau porte-clés, des sandales et un t-shirt de Manchester United, son équipe de foot préférée. Jusqu'au soir, quand le soleil nocif pour sa santé se couche, il étudie l'anglais. Ce sont les notes que j'ai prises en géographie. La géographie est l'étude de plusieurs choses et de l'environnement qui nous entoure. Hassan espère que ses connaissances seront utiles, car il sait que tôt ou tard, il devra quitter le camp. Quand il va se coucher, ses rêves sont les mêmes que ceux de nombreux enfants africains. Un jour, Hassan veut devenir riche. Je ne peux pas imaginer ce que sera mon avenir quand je quitterai le camp. Mais j'aimerais bien devenir un homme d'affaires. J'ai besoin d'argent pour démarrer dans ce domaine. Mais je suis orphelin et malheureusement, je ne suis pas en très bon terme avec le reste de ma famille. Ils ont honte de moi à cause de la couleur de ma peau. Je ne peux aller nulle part. Je vais essayer de devenir musicien, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Kaboula terminera l'école dans 1 an et doit faire un choix déterminant pour sa vie. Elle n'a pas les mêmes rêves qu'Hassan. Elle ne veut pas être riche, mais elle rêve de justice. Je veux devenir avocate et aider les gens comme moi, les autres albinos, pour les protéger. Les 3 hommes qui ont attaqué Kaboula et lui ont coupé le bras ont été arrêtés. Elle les a vus au tribunal et maintenant, elle dit leur avoir pardonné. J'étais assise en face d'eux et ils ne m'ont rien dit. J'ai aussi gardé le silence. Je sais qu'ils ont fait cela pour sortir de la pauvreté. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent. Je les ai regardés et j'ai été navrée pour eux. L'éducation permettra de réduire, de supprimer les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Les discriminations. Si la communauté accepte de faire des efforts dans le domaine de l'enseignement pour aider les gens atteints d'albinisme.
Mais dans le cas contraire, sans éducation, ce groupe restera sûrement derrière un mur. Josaphat est retourné à Dar es Salaam après son long voyage à travers les régions des Grands Lacs. Il prévoit de retourner bientôt dans le Nord. Il voit l'éducation des gens comme le but de sa vie et n'est jamais fatigué de répéter la même histoire encore et encore. Ok. Asante. Mon sang et votre sang, cela ne veut pas dire que si je me coupe ici, mon sang sera bleu ou jaune. Non. Ma couleur a fait de moi un réfugié dans mon propre pays. Qu'est-ce que je cherche, moi, Josaphat? Je suis en quête de justice. Voilà, vous venez de suivre ce documentaire et je crois que ça vous a permis de voir vraiment la réalité des choses. Voilà, ça vous a permis vraiment d'ouvrir les yeux, ça vous a permis vraiment de réaliser que beaucoup de personnes atteintes d'albinisme, beaucoup d'albinos, voilà, vivent dans la peur. Beaucoup sont persécutés, beaucoup sont tués, beaucoup sont massacrés. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous devons voilà, aller vers eux, aller aussi vers ces personnes, leur parler du Seigneur, parce qu'il y en a qui... voilà, qui se sentent condamnés. Il y en a qui se disent qu'ils ne servent plus à rien parce qu'ils sont albinos, ils sont synonymes de malchance. Non, être albinos n'est pas un péché. Être albinos n'est pas synonyme de malédiction. C'est pas parce que tu es albinos que tu es maudit, que tu n'as plus de valeur, que tu ne vaux rien. Non, si tu es albinos, le Seigneur t'aime tel que tu es. Il t'aime d'un amour tellement grand, un amour tellement profond. Il est capable de te changer, de te transformer, transformer ton cœur. Le Seigneur ne regarde pas la couleur de ta peau. Le Seigneur ne regarde pas tes origines. Le Seigneur ne regarde pas ta nationalité. Non, le Seigneur t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime. Voilà, son but, c'est de changer ton cœur, c'est de te donner de l'avenir et de l'espérance. Il t'aime, contrairement à Satan qui déteste l'être humain, qui déteste les hommes. Satan est méchant, il est mauvais, il a été vaincu. La Bible dit que Satan est meurtrier depuis le commencement. Il est méchant, Satan est mauvais, il est meurtrier. Il ne vous veut pas du bien, lui, il veut votre destruction. L'albinisme n'est pas une malchance, n'est pas une malédiction. Être albinos, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas être maudit. L'albinisme n'est qu'une maladie génétique héréditaire qui se traduit par une absence de pigmentation dans la peau, le système pileux et l'iris des yeux. Les personnes atteintes d'albinisme sont particulièrement sensibles à la lumière et aux effets ultraviolets et ils ont de ce fait un risque plus élevé de brûlure, voire de cancer de la peau quand elles s'exposent au soleil. Donc voilà pourquoi les personnes atteintes d'albinisme, ils utilisent aussi des crèmes solaires. Voilà, ça les aide. Donc vous voyez, c'est aussi des besoins qu'ils ont. Ils ont besoin aussi de toutes ces choses, des crèmes solaires, tout ça. Parce que vous savez, on est en Afrique et en Afrique, il fait très chaud. Et justement, cette forte chaleur-là, c'est vraiment le pire ennemi des personnes atteintes de cette maladie génétique. Étant donné que le corps d'une personne atteinte d'albinisme ne produit pas de mélanine, donc sa peau, ses cheveux et ses yeux sont dénués de la pigmentation devant le protéger du soleil. Donc ce qui augmente les risques d'un cancer de la peau. Donc pour limiter les dégâts du soleil, les personnes albinos par exemple portent des vêtements larges. Ils portent des chapeaux à large bord, des lunettes de soleil. Et ils enduisent et ils mettent aussi des crèmes solaires. Donc voici un peu leurs besoins, donc voici un peu ces choses-là qui les préservent aussi par rapport à la chaleur du soleil. Donc il y a tellement des croyances vraiment sataniques qui véhiculent vraiment tous ces messages qui appellent vraiment au meurtre, qui appellent à la haine des albinos. Et c'est grave, ce monde va vraiment à la dérive. Regardez ce que Ésaïe 59 nous dit à partir du verset 1. Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. Donc vous voyez, ce qui met une séparation entre le Créateur et l'homme, c'est le péché. Ce sont ces crimes, c'est le péché de l'homme qui met une séparation avec son Créateur. Le verset 3 dit, car vos paumes sont souillées par le sang.
et vos doigts par l'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue déclare l'injustice. Verset 4, personne ne crie pour la justice, personne ne plaide pour la vérité. Vous voyez, le Seigneur dit, personne ne crie pour la justice. Nous devons crier pour la justice, et la justice c'est Yeshua HaMashiach. Lorsqu'il y a des choses horribles qui se passent dans ce monde, nous devons crier pour la justice. Nous devons présenter la justice, c'est Yeshua HaMashiach, c'est lui la véritable justice, notre justice. Nous devons plaider pour la vérité c'est Yeshua HaMashiach. La vérité c'est de dire aux hommes, répentez-vous de vos péchés, répentez-vous de vos iniquités, arrêtez de verser le sang innocent, arrêtez de sacrifier, arrêtez de tuer, arrêtez de commettre le péché, répentez-vous. Yeshua HaMashiach vous aime, il est venu pour vous sauver, il veut que vous abandonniez le péché. Dans Ésaïe au chapitre 55 au verset 7, le Seigneur dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Donc la Bible est claire, le Seigneur est clair, que le méchant abandonne sa voie. Ce que le Seigneur veut, c'est que le méchant abandonne sa voie. C'est que celui qui est dans une mauvaise voie, qu'il abandonne sa voie. Et l'homme injuste, ses pensées. Si tu as des pensées de meurtre, des pensées de vouloir tuer, je ne sais pas qui que ce soit, des pensées de vouloir tuer quelqu'un, des pensées de vouloir commettre le mal, le Seigneur te dit, abandonne cette voie, abandonne cette voie, retourne à lui, viens à lui, il aura pitié de toi et il te pardonnera, il te donnera le salut, il te donnera la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur veut. Le Seigneur est là, il est venu pour sauver les hommes. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester insensibles face à ces choses, nous ne devons pas rester indifférents, nous devons aller apporter la bonne nouvelle. Et dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe 61, le Seigneur le dit clairement concernant sa mission. Il dit « L'esprit d'Adonai Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce. » Donc il est venu apporter de l'espoir, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont opprimés, il est venu pour eux. Donc nous devons aller apporter cette bonne nouvelle pour dire que même si tu es albinos, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il t'aime. Il ne regarde pas ta couleur de peau, il t'aime tel que tu es. Il t'a créé à son image parce que tu as de la valeur à ses yeux. Voilà ce message d'espérance que nous devons apporter à tout être humain sur la terre, que nous devons apporter à toutes ces personnes. Le Seigneur aime tous les hommes de la terre. Il déteste le péché, mais il aime les hommes. Il veut simplement les sauver. Et cet amour n'est pas conditionnel. Il est basé uniquement sur le fait que le Seigneur est un Elohim d'amour. Il est amour. La Bible dit que le Créateur a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous sauver. La Bible dit « Quiconque croit en lui a la vie éternelle ». Dans le « quiconque », c'est tout le monde. Quiconque, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois albinos, que tu sois peu importe ta nationalité, tes origines. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Si tu avais des pensées de suicide, des pensées, des mauvaises pensées qui te traversent la tête, j'aimerais te dire par cette vidéo, par ce message, qu'il y a encore de l'espoir, il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Tout n'est pas fini pour toi. Lorsque le Seigneur va se révéler à toi, tu vas te rendre compte que tu as une grande famille. Tu vas te rendre compte qu'il y a tu as des frères et des sœurs, des personnes qui craignent le Seigneur, des personnes qui aiment le Seigneur. Tu vas te rendre compte que ce sont tes frères, tu vas te rendre compte que ce sont tes sœurs. Tu vas te rendre compte que le Seigneur a un peuple dans ce monde, le Seigneur a une armée, le Seigneur a ses élus, une armée qui sont debout, une armée qui manifeste l'amour du Seigneur. Tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui manifestent l'amour du Seigneur, des personnes qui ne regardent pas la couleur de peau, des personnes qui ne regardent pas tes origines, à ta nationalité, non, mais des personnes qui manifestent simplement l'amour du Seigneur. Il y a ces personnes dans ce monde, il y a ces personnes qui sont là sur cette terre que le Seigneur a choisi, que le Seigneur a appelé, qui manifestent cet amour qui vient d'en haut, cet amour qui vient du Seigneur. Donc sache qu'il y a des personnes aussi qui t'aiment.
Il y a certainement des personnes qui ont à cœur de te rencontrer, qui ont à cœur de te voir pour te parler encore de ce merveilleux Yeshua HaMashiach, de ce merveilleux Sauveur qui est venu pour nous, qui est venu pour donner sa vie pour nous sauver. Il y a ces personnes certainement qui veulent te rencontrer, qui veulent discuter avec toi, qui veulent parler avec toi, qui veulent t'encourager à marcher avec le Seigneur. Être albinos n'est pas une malédiction. Même si tu as un enfant albinos, même si ton enfant naît albinos, c'est une grâce aussi. C'est une grâce d'avoir un enfant, tous les enfants que le Seigneur nous donne sont une bénédiction. Nous devons les aimer, nous devons les prendre dans nos bras, nous devons prier pour eux parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Voilà, le Seigneur nous a créés à son image, il nous aime. Les personnes atteintes d'albinisme, si tu es albinos, sache que le Seigneur t'aime, tu as de la valeur. Le Seigneur veut se servir aussi de toi pour parler de lui, pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, pour prêcher aussi à toutes ces personnes, dire aussi à ces personnes albinos qui n'ont plus d'espoir, leur dire que Jésus-Christ est venu pour vous sauver, Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ est venu pour vous donner de la valeur, Jésus-Christ est venu pour vous accorder le salut, il est venu pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi tout n'est pas fini. Le Seigneur est capable d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Donc ne baisse pas les bras, donc ne perds pas espoir. Donc si tu as des pensées, si tu avais des pensées, des mauvaises pensées, des pensées de suicide, au nom de Yeshua HaMashiach, je prends autorité sur ces pensées et je les chasse complètement. Et sois libéré complètement, sois libéré, sois restauré au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et je bénis le Seigneur aussi pour ces personnes atteintes d'albinisme qui ont expérimenté le Seigneur, qui ont rencontré le Seigneur et qui parcourent les nations, qui parcourent le monde entier pour parler de l'évangile, pour parler de la parole du Seigneur, pour prêcher le royaume. Je bénis le Seigneur pour ces personnes atteintes d'albinisme qui ne sont pas complexées, mais qui sont fiers d'être tels qu'ils sont, qui sont fiers d'être voilà, des si belles créatures. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, pour toutes ces personnes. Seigneur, ces personnes, parce que vous savez, lorsque tu sois albinos, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois jaune, peu importe, nous sommes un en Jésus-Christ, nous sommes un en Jésus-Christ, nous sommes une seule famille, nous ne regardons plus à la couleur de peau, non, nous ne regardons plus à la couleur de peau, pourquoi? Parce que dans le royaume du Seigneur, c'est l'amour, dans le royaume du Seigneur, c'est l'unité, dans le royaume du Seigneur, alléluia, c'est la bonté, dans le royaume du Seigneur, c'est la douceur, dans le royaume du Seigneur, c'est l'amour, 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 l'amour et rien que l'amour. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je nous invite à prier pour toutes ces personnes atteintes d'albinisme, ces personnes qui sont persécutées, ces personnes qui sont tuées dans le monde, qui sont tuées dans beaucoup de pays, ces enfants qui sont massacrés, ces familles qui sont endeuillées, toutes ces personnes. Nous devons prier pour ces personnes atteintes d'albinisme, ces personnes qui n'ont plus d'espoir. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier afin que le Seigneur puisse se révéler à ces personnes, afin que le Seigneur puisse les garder, le Seigneur puisse veiller sur eux, afin que le Seigneur puisse leur donner de l'espoir. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, toutes ces personnes atteintes d'albinisme, ces personnes qui certainement n'ont plus d'espoir, ces personnes qui ont des pensées de suicide, ces personnes qui se disent qu'ils sont des malchances, qu'ils ne valent rien. Seigneur, Satan les a tellement mis des choses dans les cœurs, dans leurs pensées. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à ces personnes. Je prie, Seigneur, que tous ces enfants atteints d'albinisme, je prie que tu les gardes. Je prie que tu veilles sur eux, que tu les protèges de toutes sortes de dangers. Seigneur, tu les as créés à ton image. Seigneur, tu les aimes. Je prie que tu veilles, tu protèges toutes ces personnes, Seigneur, atteintes d'albinisme. Seigneur, que tu te révèles à eux. Que tu, Seigneur, leur donnes, Seigneur, de l'espérance. Que tu leur donnes, Seigneur, de l'espoir. Que tu te révèles puissamment à eux afin qu'ils sachent, Seigneur, que tu les aimes. Afin qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils ont de la valeur à tes yeux, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Et je prie, Seigneur, que tu les gardes. Je prie, Seigneur, que tu te révèles davantage à eux. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Voilà, pensons à eux dans nos prières. Et voilà. Voilà, que le Seigneur soit béni et portez-vous bien. Amen.